Une fois qu'on est directeur général de la télévision nationale d'Haïtien, Gamal Augustin, signé vendredi 29 décembre 2017, là, yon accord avec Focus Media. Accord ça, pral permettre image télévision grâce à la chaîne Cableo, rive joindre téléspectateurs qui n'ont plusieurs pays sous planète là. Yon reportage, Rodney Doléance avec Bernard Marseille. Si un petit accord ça, pral permettre télévision nationale d'Haïti, yon couverture internationale. Focus Media, qui se film, qui gen droit après à Kosa, vend image télévision, hein, a gen pour rencontrer plusieurs compagnies étrangères qui utilisaient système câblé, yon manière pour permettre produits télévision, hein, rive joindre haïtiens qui vivent dans divers pays sous planète, là. Le monde entier, c'est dans système câblé, oui. Le monde entier, c'est une question de fort gain câble, pour fort choisir qui chaîne qu'on voulait. C'est-à-dire que, consommateur, lui-même, est capable de choisir qui chaîne que le voulait garder. Des gens ont dit que je voulais HBO, je voulais ESPN. Mais nous n'avons pas le choix tout qu'on y a. Nous n'avons pas le choix pour le capable de faire un choix de télévision nationale d'Haïti tout. Parce que nous avons plus d'Haïtiens qui vivent à l'extérieur. Nous avons plus d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Nous avons plus d'Haïtiens qui vivent en Europe. Nous avons plus d'Haïtiens qui vivent à travers le monde qui a bien aimé être connecté avec le pays. Mais nous-mêmes, nous faisons notre devoir pour nous remettre devoir ça, travailler ça, bâillon en firme. Et en firme qui c'est ça que le fait. Les responsables pour le vendre contenu télévision. Et nous ne pouvons pas parler de prix, parce que prix, nous ne pouvons pas gagner. C'est prise de parole d'abord. Firme ça après rentrer en contact. Nous connaissons que deal Comcast, censé déjà fin clôturer. Mais firme ça après rentrer en contact avec Comcast, puis élaborer termes de paiement, combien copes l'État ici a besoin, et combien copes que Comcast lui-même a besoin dans le reste sacrité. Firme ça tout pour rentrer en communication avec d'autres compagnies de câbles. Parce qu'on parle de. Le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie cap qui Bahamas, il y a une compagnie cap qui là tout près nous là en République Dominicaine. Ce film ça après rentrer en contact avec compagnie cap ça, on connaît si me pas tromper en République Dominicaine, il y a peut-être une cinquantaine et compagnie de cap. Ce film ça après rentrer en contact avec compagnie cap ça pour le mettre à la disposition le contenu qui c'est contenu télévision nationale d'Haïti. Si a ti encore ça, c'est pour la deuxième expérience TNH avec Focus Media selon directeur général média l'État. Pour qui ça c'est firme ça que nous choisissons? Parce que, un, il y a une expérience déjà. Deux, ça fait une deuxième expérience que nous-mêmes n'avons fait avec elle. Première expérience que nous avons fait avec elle, c'était ça que nous relais et système IP que nous avons établi en Haïti. C'est pour me dire, nous, et avant, l'MTDGA, c'est ça que nous avons rentré en contact avec firme là, pour nous venir avec système encodeur et décodeur. So, firme ça, avec Télévision Nationale d'Haïti, c'était premier organe. Deux premiers organes qui étaient testés service ça en Haïti. On pas besoin oublier premier test là c'est pas trop même fait au Cap Haïtien dans le gouvernement la caille. Il était passé 10 sur 10 tout le monde demandé quatre coups de signal ça sorti et puis dès lors l'État haïtien à travers la télévision nationale d'Haïti pas dépensé quoi que le qu'on dépensait avant yo. D'après représentant Focus Media Clifford Desable, à quoi ça pral porter satisfaction kay plusieurs haïtiens dans diaspora qui étaient déjà intéressés à programmation télévision an. Téléjournal TNH là, c'est un téléjournal vraiment que haïtiens à travers le monde très intéressé de lui. Dans ce avec un défait, gagnent cap qui toujours aller sur YouTube, cap chercher journal là. Même le journal là qu'on passe 2-3 jours en semaine, il toujours regarder lui. Alors nous-mêmes, ça nous voulait faire c'est porter image ça en direct pour yo quelque soit côté à travers le monde. C'est dans premier trimestre année 2018 là, série travail a démarré. Directeur général Télévision Nationale d'Haïti, Gamal Augustin, comptait rencontrer pas trop longtemps cinéaste haïtien yo, yon manière pour permettre haïtien ici coulot bodlo gain accès à image cinématographique haïtien yo.